appartement pour 1500 personnes. Maintenant, prison à minute, tout va chiffre, tombe dans 11 000 personnes. On t'en revient à la boulot côté. Mais pour la vie, tout ma Congo, on va Jean-Marc Abound, on va dire, on va Gabi, tout ma Congo, Jean-Marc Abound. Avant la boulot, on mental les amis. Mais l'environnement, les a bien été. Comment? C'est pollué. Les gens meurent chaque jour à Makala. Hôpital à la tête, on reçoit les bâtiments. Et ça, bah, c'est pas nanti. Cellule. Dans la prison, il y a 4 personnes, 5 personnes dans Santa Saka, dans Makala. Dans Makala, il y a un pavillon, un couloir. Il y a un pavillon, un couloir. Il y a un dépassement des peines. Je suis condamné à 6 mois, mais on va faire ça 2 ans. Parce que les réquisitions, à parquet, il faut y avoir un corps pour greffer à parquet, un corps pour magistrat, un corps pour greffer mon sous-sous à Makala. Sur les 11 000 détenus à Makala, je vous dis, mais, bah, on attend. 5 000, hein? Ma pétition a été laissée abandonnée, sans famille, sans abri. Ma réquisition a été condamnée pour défendre 20 années à la Bouygaka. Pour le moment normal, pour moi, prison pour Naï. Et pour moi, Pendak. Ministre de la Justice, Rose Mutombo, a été bureau Naïe, climatisé, a été condition de détention. Et ma Congoman dans différentes prisons, c'est grave. L'enjeu est allé à ce niveau-là. Et je pense à mon niveau d'analyse Naï, Kinshasa a compris ça. Donc, s'il faut que nous avons l'élection, à l'idée où Mukwege a lobé libre partenaire Naïe, oui, que je serai candidat en 2023, oui, ce sera une candidature qui va compliquer l'équation moins grave qui va compliquer les régimes. Au même titre que Katumbi, qui va aussi compliquer, au même titre que Fayoulou. Donc, il y a qui a wa, Mukwege 6, mais surtout, PAC! Et pas Fayou. Faden, c'est une force, mais pas une certitude. Il y a déjà des tours, toi, ça déjà bloque autour. Il y a un mariage, il y a moi, il y a un Katumba, il y a un Katumbi. Il doit s'accueillir, il mène. Mais il doit s'assumer. Sa force, mais qui n'est pas une certitude qui va gagner les élections, il a des élections à un tour. Faiblesse et opposition. Je suis ça, c'est clair. C'est qu'ils ont une multitude de bateaux. Est-ce que vous devez faire allégeance à la candidature commune? Nous avons Fayou. Nous avons Mouzito, nous avons Matata, nous avons Katumbi, qui est dans l'union sacrée. Ma force, nous avons peut-être Kabou, ça nous boloko. Tu vois? Est-ce que voudront-ils faire. Voudront-ils faire allégeance d'une candidature? Kabila aussi là. Ah oui. On met rien une pression extérieure et tu es d'accord. Là de ça, il faut te parler projet de société. Offre politique. 2023, Kalamingi. Offre politique. C'est important. De tous bords. Ma solo est allé belé. Mon cabinet, mon roi, et bien des names à cabinet, cola la cola moukaya de ses macambozanga kate. Yves Bouya, n'en soya bien fait. Écoute, Yves Bouya, zanabiso le lo bandeko, des names à cabinet, cola la cola mouka RDC, ma solo est zanga kate. Na Yves Bouya to kosola masolo ebele pour découvrir ango tout au long de l'émission. Papa Yves Bouya c'est ngo mingi akozongela biso balamboka baloba tout na yo prison ndenge nini lekaki qu'est-ce que va prendre na ces jours na yo kuna na kati ya prison betela biso mo masolo mon qui est ba prisonnier ba ndenge nini ti biso ba bolokotier ou ba biso ba prisonnier ba biso ba bolokotier sola na tongo kuti na monde ko bolokotier boni balam bolokotier. Tu es barré la tenue à jaune. Na bleu tout là, t'as moni, jamais kabou la zola ta ma vidéo. Nicolas ma photo. Bolokotier, boni, bien Bolokotier. Bolokotier, Kimia Bolokotier. 15h, ma continue à Boloko. Bokoti ma pavillon à Bino. T'as rabissé un moro, t'en as à la proximité à Batou. Au moni, moi, avocat, aux autres appétits, n'a pas Bolokotier. Bah la pavillon, n'a pas Céline, n'a pas ouvert la bango. Vous avez reçu bien l'appétit. Ce qui est Bolali, Tongotani, Bosokoli, Bolier, vous avez beaucoup de travail, mais vous avez un peu de travail. 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 Vous avez un Oh, il n'y a pas... Non, 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 c'est assez abîmé. T'es babu, a osé appeler pour la peau, quoi.
Oazo. Et là, on a peu de France, Sassoum, Tatine, les jets. Dans le conseil spécial, il y a président de la République, ancien conseiller président de la République, mais en s'en Mboka, c'est Sassou qui l'envoie les jets. J'apprends, c'est Dominique Okemba, je pense, hein, d'après mes sources, Jado, qui est vraiment très proche de Sassou, moi, Pétia Sassou. Bah, ça est ma cambouana. Vieux François a bien zappé Bolokoti, le Rolanga. Un mot, la coûte à son aïe, chaque tour sur la sport, on a un aïe, la terre à Yamaka, là, voilà. Il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup déjà 5h45, il y a pavillon, il y a un pavillon 1, il y a pavillon 2. Soit il y a un pavillon, il y a un sport, 52 tours à terrain. Le rôle est 1000. Fantomas. Trabe là. Et moi, je suis net, je suis à Taliban, je suis à montre 52 tours. Je dis, mais papa. État d'esprit en délire. Il me dit, mon fils, état d'esprit au zénith. Parce que je suis flic. J'ai été pendant 40 ans dans mon salon, il y a renseignement. Tu sais, la servi, mon boutou, mousé, 40 années. 10 DGM, 10 années, je porte déjà DGM. Ben, au Tindaye, comme un conseiller spécial. Mental au zénith. Hein. Je compris que c'était vraiment une personne formée par les Mossad. Vraiment, tu sens que chaque temps, soit ça marche, 6h30, à mon fils, on a dit merci papa. Là, il peut me le côté, je suis super à la tour, je suis pour le garder en mental. Il y a Boloko. Mais Boloko, c'est ça, ma belle-mère. Parce que, je suis tout le monde qui regrette en côté. Mais, ici, quand ma belle-mère, tu as vendu la tête. Parce que l'environnement est bien, il y a Boloko. Nous avons vendu la Boloko. Mais pour la Bitouma Congo, le roi Jean-Marc Abound, il y a un gars qui Congo, Jean-Marc Abound. Avant la Boloko, mental les amis. Mais l'environnement est bien. Comment? C'est pollué. Les gens meurent chaque jour à Makala. Oh. Hôpital, il y a un pas. C'est pas nanti. Bah, qui se posera un problème? Si on belli. Il faut bien malibanda aux yeux traitement. Mais si on a voté par contre à Boloko, on a ça vraiment fort, vraiment avant, vraiment amour, vraiment le binza, mais la belle parce que belle, le gars, ah, belle, ah, la nerf fragile. Bangou, mais on a voté, on a voté par aux yeux, mais les gars, la vanne, la binza, mais là, on a échappé à Maria. La bina, on a belle la tête, on a télé malin, oui. Ma casse, quand on a marche, au papa François Béa, le bien. Papa François Béa marche, habille mon fils chaque jour. Je ne peux pas tomber. Et font la mental. Boloko Babakou fera chaque jour. Boloko Batonga pour 1500 personnes. Maintenant, prison à minute, tout le chiffre est tombé dans 11 000 personnes. Ah, ah, il y a presque très saturé. Cellule. La prison est comme 4 personnes, 5 personnes, dans Santa Saka, dans Makala. Dans Makala, il y a un pavillon, un couloir. Il y a un pavillon, un couloir. Il y a un même le sol. On m'a mis carton, au Katiango, au Lali. Dans ma cas là, je suis allé à Bissanza. C'est quoi cette histoire? Vous voulez sauter? Vous voulez la marama sauter? Mais comme ma cousine, ma dessous, l'osso, mais ma pona rangote, ma tria rangote. Ma zion ou rare, mais bidon, mais grave quand la cousine ouana. Parce que ma bidon, ma fille. Ma zion, ma zion, ma bien aoni, ma zion, ma sac, il y a l'osso, il y a ma dessous. Je suis renversé dans le tonneau. Je suis foutu en mille. Je suis comme un ballon. Déjà, les transports, il y a des différentes cellules, différents pavillons. Je suis côté de la Maro déjà. Je suis en dépassement des peines. Je suis condamné à 6 mois à Pellette, mais on va faire 10 ans. Parce que les réquisitions à parquet, il faut y avoir des copes à greffer à parquet, copes à magistrat, copes à greffer mon sous-sous à Makala. Autour du petit mot, le côté, yo, au salon, il y a un peu de temps au pire, je suis condamné à 6 mois, mais on a 3 ans. Je suis condamné à 3 ans, je suis condamné à 6 ans. Pour la nini, réquisition, et comment pétrole.
biso peut-être on avait des petits moyens mais bah condamné déjà que leurs moyens bah condamné au réquisition le gros parquet et ça c'est bah condamné que ayez bah notifié sur Obimi aux gens on a ma beaucoup que là bah condamné là pour tel fait infractionnel n'habi que dans sali 6 mois na telle date le 23 avril 2023 il faut n'abîmer mais la plupart des bolokotiers bah en a monté. C'est là que j'interpelle maintenant la ministre de la justice amener qu'on a une commission. Bah si je mettais la bakawana, même une commission va étudier le bakawana. Ça sera aussi une façon pour désengorger Makala. Sur les 11 000 détenus à Makala, je vous dis, mais, bah, on va être 5 000, bah, pétuant de laisser abandonner sans famille, sans abri, bah, bah, réquisition, bah, condamné pour des faits, bah, la bouillaka, pour le moment normal, pour le moment prison pour naï. Et pour m'appeler Ganda, pour ministre de la Justice Rose Mutombo, a tiré ma bureau naïe, climatisé, a tiré ma condition de détention, il y a ma congomane dans différentes prisons, c'est grave. Autant que papa Yves Bouy, autant que papa François Béa. Mais jeune Afrique, n'a stanié ou jacquel à la paix symbote mingi, pas comme les autres, bima, mingi à l'obi, à coup d'état, l'obi, ma camoufle. Au yumon, on aime tout ce qu'on t'a extrait en gros, jeune Afrique, azo bimi sa, mingi, ozo kansan, est-ce que les alliés, diversion, tous les alliés, kamodini. Vérité, à la macabre. Nga maman Paulette qui moutou. François Béba a rajouté les premiers jours dans tellement bien que c'était un règlement des comptes. Tant que l'article agit en Afrique, c'est bidon. Interrogatoire, audition, PV à François Béba. C'est bidon. Il n'y a rien de concret, c'est vide. Oyo, au Kenaki Zimbabwe, conseil de Zimbabwe, il y a un passeport dans la papa Joseph Kabila tinda ki batuna ki vwa kona ko alobi o po ba saboter ce qui nini natanga nanu biloko ango elo ba papa ngai da kota ngai da kota la kenazi mabu depuis 2000 j'ai pas d'entrée là-bas ta ba déplacement dans aérien ta la tout c'est un règlement des comptes sur la souga sikoyo ce qui les présumés ce qui coup d'état soit atteinte à la sûreté. Selon Stani Boujakir à la PCMBO Temingi, selon les documents ANR consultés par Jeune Afrique dans le dossier BEA, Joseph Kabila a regretté le fait que lui, qui a réunifié le pays, avait difficilement des autorisations de sortie alors que Katumbi et Bemba voyageaient librement et s'est considéré comme prisonnier. Kabila s'est considéré comme prisonnier. Mais c'est des méthodes à router les mélas. Comment est-ce que Kabila, qui était ancien président de la République, les lois pour puis mêler ma liberté de sortie. C'est des méthodes à rôter, mais ce n'est pas normal. Si c'est vrai, parce que ma en Afrique, ce n'est pas une parole d'évangile. Mais si c'est là, il faut refuser les câbles à autoriser de sortie. Il faut refuser ça. Autant que pour Katumbi, parce que j'apprends aussi que Katumbi peut, d'après mes sources, j'apprends que Bazopi me la paix, autorisation à suivre, il y a jet. Il appelle quoi Papa Mukwege. Papa Mukwege, que vous m'avez dit. Bien qu'il a l'année communiqué à la gouvernement, il y a Sud Kivu, mais il a bloqué au télémela. Mukwege va donner une conférence scientifique. Ça n'a rien de politique. Azui, à Komina Kisang, à Komina Kisang, il va envahir Mdaku. J'apprends qu'il habite à Pandi. Là, nous avons la pandémie, l'hôpital Luana. Il va envahir, il faut qu'il nous ait une conférence, ceux qui sont dans la Kisangal et tout comme ça. Mais ma conférence, c'est là où on a le Mumbashi, la Kinshasa va péter ça en route. Mais tant qu'il va à la Kisangal, il va péter ça en route. Tu sais pourquoi la République est sur le Denis Mukwege? Non, Denis Mukwege, aujourd'hui, il y a une forte pression internationale sur Denis Mukwege. Pourquoi ça? Il y a un candidat présent en 2023. Ah, ok. Là, je veux s'informer. Une forte pression, ils ont été occidentaux, les américains. Ils ont déjà une grande pression à Zakane président en 2023. C'est des sources que je prends, que je tire, des informations que je tire de ses proches. Denis Mukwege a l'obligé d'en noter. Il dit les prix Nobel, ils ont observé d'abord. Mais pression, ils ont été américains. Pression, ils ont été pays significatif. Il y a l'espace Schengen. En 2023, Moutazali prix Nobel. Alali prix Sakharov. Avant roi des Belges à Yawa, à Yambaranan, Mukweget. Tu vois, le prix Nobel, c'est pas bien prix Moko. C'est un chef d'État en miniature. Partout, personne que je toque, ma poste va fonger là. Pression, maman, je t'en dis, banda. N'a pas joué à balabalaté. Bon, et t'es dit, mais Mukwege a dit, il n'a pas encore accepté.
il n'a pas encore accepté. Il y a un moment qui Blinken a yakiao. Blinken a rencontré Mukwege à deux reprises. Bah il y a un autre. Mukwege a dit peut-être n'a pas dit les babengi dans le bango dans l'administration États-Unis. Bah lobby Blinken a joué secrétaire d'État américain. Il faut un bango. Mukwege a loué quatre magasins à Yakin les six à partir déjà les 6 août. Blinken a commencé le 9 août Nakin. Les 6 août a sorti déjà à Vandi. Blinken a rencontré le président de la République et puis il a rencontré Mukwege, l'ambassade, je crois, l'ambassade ambassade des États-Unis. Ils ont fait 1h15. Ils ont discuté Marambo Yamboka. Deux mois après discussion, Mukwege et Blinken, Mukwege avait tweeté pour dire merci à Neti, Blinken Yambaki Bango. Ils veulent merci pour nous garantir ma paix Bango. Ils ont encouragé le gouvernement américain à aider le Congo pour une élection transparente, crédible, inclusive, même pour les réformes. C'est déjà un langage, discours politique. Ce n'est pas les Mukwege. Il y a Munganga. Ou à réparer ma femme, mais c'était un tweet politique. Deuxième tweet, naïe, ils allaient qu'on a faiblesse à la diplomatie, parce qu'on a arrivé, il y a force régionale, il faut dire. Le bac qui m'a cassé, c'est un tweet, on a dit très fort. Très fort. C'est des positions déjà, pas d'un médecin, mais d'un homme politique. Et je pense à un moment que j'ai ça compris ça. Je pense qu'il y a un moment que j'ai ça compris, parce que ma pime, ma conférence, il y a Machite, il y a Kinte, mais on le sucre qui s'engage. Il fait un déplacement avec ma ambassadeur, ma corps scientifique et belé, ma pime. Parce qu'avant qu'on m'en a, il faut qu'on m'a jeudi, il faut qu'on t'appelle au Tembi, qui est, je pense, président, je pense que c'est de Kisangani, c'est l'origine de la province orientale, ex-province orientale, à tête, mon au Temba Soura. Donc, ben, je suis allé à ce niveau-là, et je pense à mon niveau d'analyse, Kinshasa a compris ça. Donc, s'il faut que dans l'élection, à l'idée où Mukwege, à l'obéli, ma partenaire, naïe, oui, que je serai candidat en 2023, oui, ça sera une candidature qui va compliquer l'équation. L'équation moins grave qui va compliquer les régimes. Au même titre que Katumbi, qui va aussi compliquer, au même titre que Fayulu. Donc, on a dit que c'est un peu surtout PAC et pas Fayulu. Faden. Quatrième détail, il y a Masolo. Parce que pas Fayulu. Parce qu'on dit Mukwege n'est pas politique, il a quoi derrière lui, et pourquoi Fayulu? Mais Fayulu, on a 2016, maman. Quand tous les leaders politiques ici avaient parlé de la transition citoyenne, il y avait deux noms qui sortaient, c'était, je crois, Mosengo et Mukwege. Dans le manifeste de la transition citoyenne, les seuls leaders politiques à Tangwana qui avaient accepté que transition citoyenne, surtout ce que la transition citoyenne en 2000 après Kabila et Mukwege, la seule personne à signer manifeste c'était Martin Fayulu Madidi. Bemba Boya, Katumbi Boya, certains leaders politiques à Boya Pé. Seul Martin. Ils ont de très vieilles relations. Ok. Nathan Gelabino, tu te poses au moins Bélément et Bélé, car pour d'autres, il y a un dossier à Papa Béa. Pourquoi les souhaits de Joseph Kabila sont des ordres pour vous? Êtes-vous obligé de lui faire rapport? Lance les enquêteurs de l'ANR. Abéa qui répond toutes les conversations avec son professionnel et les chefs de l'État et FT. Donc, Félix Tshisekedi est au courant. À l'objet des sources, selon les services, Joseph Kabila s'était rendu à Bukavu et a chargé un ergumène pour sensibiliser la jeunesse à se débarrasser de M. Tshisekedi, qu'il qualifie d'un imbécile qu'il a placé au sommet du pays alors qu'il ne le mérite pas. Jeune Afrique. Depuis qu'il a quitté ses fonctions, Kabila n'est jamais allé à Bukavu, a répondu François Béa à cette question des enquêteurs de l'ANR. Ces derniers accusaient Béa d'avoir fait rétention de cette information. Le chef de l'État qui n'a pas été informé d'un faux voyage. Je constate que je suis l'objet d'acharnement de la part de la Gembelou. Je me considère comme étant prisonnier personnel, dit François Béa dans son audition du 4 avril, consulté par Jeune Afrique, CIA, colis suspect. Commissariat privé, Tshisekedi qui se perd pendant 5 heures au Kassai, sans aucun moyen de communication. François Béa a-t-il failli à sa mission? Voilà quelques éléments. Donc, balobi na tuna yozali journaliste. Question na peka ka mwana mboka mtatu nenga ndeke ndi Jeune Afrique azana ma. Non, tu sais que Jeune Afrique, c'est travaille avec les services. Ma grand gouvernement, des fois les services. Les Jeunes Afriques, c'est les quais d'Orsay. Les quais d'Orsay, quand tu suis bien, c'est plus les systèmes de renseignement en français. Ils ont accès à certaines informations sensibles, mais quand ils se décident de mettre ça à la place publique, c'est pour faire comprendre comment le monde évolue. Mais si tu as une documentation, on a audition à François, tu comprends que c'est vide.
Vraiment. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de fort, il n'y a rien de pondu. C'est un truc vide. Moi, je me rappelle des mots, Fantomas, Ablan Amakala. Parce que, des fois, il m'accordait quelques minutes d'échange. Mmh. Il me disait, Yves, mon fils, je sortirai d'ici innocent. Là, ils avaient un privilège. Je suis journaliste sur le côté à Makala. Parce que François Béana Makala, c'était le prisonnier numéro 00. Oh. Qu'il fallait prisonner Kengel. Il avait sa propre tante, Yemoko, qui donnait directement, il n'a pas vu en Aé. Donc, il n'empruntait pas l'entrée où Non, c'était vraiment, tu vois, conseil spécial, chef de matière à sécurité, tu vois un peu. C'était quelqu'un de qu'il fallait vraiment protéger. C'était, d'abord, dans le terme à renseignement, l'objectif numéro zéro à prison. Entrer naïe, il faut un air de miap et zalawana. Abimi, la tante naïe, là où il mangeait, recevait, bah, avocat de sa famille. Le matin, quand tu veux sortir, c'est le directeur de la sécurité qui vient, c'est le bureau de l'antenne ANER qui est là, l'antenne des MIAP, la police, tous les services à Bakala pour une personne. À côté, à Vandi. C'était l'objectif numéro 00 à Makala. Bon, peut-être Kaboun, je ne sais pas. Amène François Béakéi. Mais il me disait un truc parce que moi, il savait que j'étais journaliste. Alors pour moi, je trouve que c'est ça quand même une grâce comme journaliste de pratiquer cette personne. Parce que les bandes ont pratiqué été. Les bandes ont pratiqué Fantomas, Ali Moira, Abou Ngaka, Asala Raboué, les tout-puissants. Mais moi, bah, j'ai ce privilège de les voir. Et les rares des voix de Dieu sont impénétrables. Oui. Pas les questions. Mais tu vas tirer la bolo, tu vas ta pouvoir, tu vas tirer la bolo, quoi, pour penser à me nuire, me faire du mal. Non. Ils m'ont mis avec, en contact avec un grand Bouana. La prison, c'est, des fois, c'est un lieu de rencontre. Hein? La prison. C'est quoi tout ça? Ok, prison, beaucoup de temps, tu es mort. Voilà. J'ai vu François Béa. Ma grosse tête après, j'ai vu les grandes têtes là. En prison. Ekoya, kaka. Ekoya. Papa, toi qui n'es pas Sadek, toi qui n'es pas Sadek. Tu vois, même François Béa me disait que Yves, mon fils, retient-le. Il dit à moi, allons-moi lunettes. Allons les lunettes. Assis-moi à Barbichette Naï. Assis-moi à Kovo Naï. J'ai décrit. C'est quoi ça? Mon fils, je sortirai d'ici innocent. Mais je vois qu'après, il est sorti innocent. Est sorti. Parce qu'on lui dit liberté provisoire. À qui la Bimi va rentrer. Bien que je pense, je ne le vois pas qu'on a la fonction. Là. Parce que quand il disait là, pour lui, c'était une sorte d'humiliation. Mais qu'il avait très positivé, en fait. Tu vois, 40 années dans les services, là, je suis servi d'un grand chef d'État, d'un grand gouvernement, on les prend comme un malfrat, on les met à l'ANR pendant plusieurs jours, l'ANR, on les jette à Makala. Et à Makala, il m'a déjà compris beaucoup de choses, c'est que c'est la vie. Ça, il me le disait. Mais je pense que je lui dirai demain, après-demain, si on peut s'en autorisation, là, comme un livre insurier, de ce qu'il a vécu, ressenti, Makala, page des éléments. Je suis appelé cette autorisation. Oh, oh, donc, j'écrirai un livre. Ok. Toi qui es Sadek, je me conduis à battre le commandement à Sadek. Papa Yves, il est journaliste d'investigation, il y a terrain Penza. Il va retomber ni il va vivre. Est-ce que est la République qui est Penza, dossier numéro 1, il y a Sadek? Non, maman. Tu vois, maman Sadek, wana, les gens, beaucoup de gens de Bazo ont analysé. Sur le plan, il y a forme, c'est une réussite. Pour Tshisekedi, a commis présence à Sadek. Mais sur les fonds, il y a beaucoup de dossiers sales. Il y a beaucoup de contenu dans le plan fond, ça pose problème. Tu sais, la petite premier problème. Il y a deux grands pays, Simbara Sadek. Sur le plan économique, sur le plan militaire, c'est l'Angola et l'Afrique du Sud. Ramaphosa est venu. Tu as vu Joao ou non? Joao s'est fait représenter.
c'est un désintéressement politique. João Eki, il joue un grand rôle dans la sous-région. Un grand rôle dans la sous-région, dans la sous-région d'Abisso, João, et dans la SADC. C'est pas un pays Oyoyo, il crée la SADC. Il n'est pas venu se faire représenter. Il y a un désintéressement déjà. Les piliers aujourd'hui, il y a président Tshisekedi. Après, des fois, Sassou, les premiers piliers, c'est l'Angola. Pourquoi João? João, aujourd'hui, est le facilitateur de notre crise entre Bissau et l'Angola. Na Rwanda. Ok. Il a fait déjà une fois appel. Il a joué la médiation entre Tshisekedi et Kagame. Première rencontre Kagame a été. Il a joué le ministre. Il avait sa deuxième rencontre Kagame a été. Il a réuni Kagame à mais où c'est Vima Kengana na la branche armée militaire il y a M23. Je crois qu'il y a Ouganda, je pense. En Ouganda. Réunion ici, là. Tu comprends? Mais João a été. Il s'est fait représenter. On a eu ici, maire, une parade aérienne avec l'avion aérien. Ça signifie que quoi? Kinshasa, dans Luanda, cet axe-là, c'est un axe solide. Mais João ne vient pas. Il laisse qui partir. Il s'est fait représenter. Autre, et nous, on a une formation dans la journaliste. Ramaphosa vient ici parce qu'il devait aussi discuter avec ma contingent, ma troupe sud-africaine, où ils allaient dans la force d'intervention rapide, FIB. Il fallait discuter là-bas. Il y a un fort contingent, une forte brigade sud-africaine, la Katia FIB, la force d'intervention rapide. Il y a brigade rapide, la Katia, il y a MONUSCO. Il fallait discuter là-bas. Tu vois, le premier couac, l'absence de João, qui est un grand allié de la Kinshasa, Luanda, facilitateur de la crise, notre crise entre Bissau et Kigali. Il n'est pas venu se faire représenter. En politique, ça a des intéressements. Cyril Ramaphosa vient pour discuter ici avec les contingents. Les rois, soit-il, je pense. Oui, les autos. Swaziland. Les rois, il y a Swaziland. Oui, je pense. Lui est venu. Il y a beaucoup d'agendas. Je vois des agendas cachés. Je vous dis sur le plan fort. C'est une victoire pour Tshisekedi. Mais sur le plan fort, c'est ses atouts. Il arrive, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Américains veulent faire de la monarchie Swati d'une république. Oh, bah, il y a une monarchie. Le roi, c'est le roi Swati III. Swati III, oui. Preuve, quand Blinken est allé en Afrique du Sud, Blinken a discuté cela avec Ramaphosa. Et ça l'avait mis en difficulté. Il est aussi entre venu discuter qu'on soit appui. Il y a ma père Naye, il y a Sadek. Tu comprends? Sur les plans forts, encore échec. Le président de la République nous dit, il a dit ça ouvertement que nous sommes agressés par le Rwanda. Il a même qu'à cette agression barbare. Mais la charte, il y a Sadek. C'est dit que quand il y a une agression d'un pays, tous ces pays membres de la Sadek appellent à la solidarité. Mais est-ce que toi, tu as vu la carte de communication SADC, les pays membres de la SADC ont condamné le Rwanda. Ils ne peuvent pas condamner le Rwanda. Mais pour la solidarité, ils n'ont pas condamné. Mais quand tu lis maintenant la communication à la chef d'État, na point 12, il vous parle plus de renforcer plus force à MONUSCO. Pourquoi force à MONUSCO? Parce que tu sais qu'il dit aussi, dans un schéma de discussion, pour que forcément, les régionales, il y a un pays membre, il y a un comité de l'Afrique de l'Est, AEC et IAO. Et la SADC ne veut pas de ça. Mais bah, c'est ma quantité, Yves. Mais oui, mais la SADC ne veut pas de ça parce qu'ils ont une influence naïve. La sous-région. Tu vois, la sous-région. La SADC ne veut pas de ça, mais il y a un pays membre AEC et IAO. Parce que, il y a une guerre économique entre membres.
l'Afrique du Sud, la monnaie évolution à Tanzanie, la monnaie évolution à Kenya, tu vois un peu. C'est des guerres qui ont, c'est des pays qui sont membres à ASM, même de l'autre qui sont aussi membres à SADC, mais qui sont en guerre économique aujourd'hui. Qui sont en guerre économique aujourd'hui, entre les pays membres Moussous à SADC, qui sont très avancés économiquement, ne veulent pas de ces états-là. Nakata Congo. Nakata Congo, il y a un quota sur le plan militaire, les tout consorts, les mines, les tout consorts. Et puis, tout allez mal, tout allez scandale géologique. Il y a un ne veulent pas. Si tu veux, en quelque sorte, ne veulent pas de ça, il va renforcer plus force. Il y a brigade d'intervention, il y a MONUSCO. Mais non pas appuyer ma pays, membre, il y a ASEAN et ASEAN et FUCOTA. Ça ne veulent pas de ça. Et puis, il n'y a pas eu un fort soutien de ces pays membres à SADC. À l'appel du président américain, il a dit que non, nous sommes agressés par les Français. En 98, en 98, Tangou nous est le père, à Lubaka, que je suis agressé par les Rwanda. Il y avait le soutien quoi? Zimbabwe, Namibie, Luanda. Zimbabwe, Namibie, Luanda. Quand Moussa déclara que non, ouvertement, publiquement, que nous sommes ouvertement attaqués par les Rwandais. Il y a eu ipso facto automatiquement les soutiens, il y a Luanda, sous Joao, il y a Namibie, Nazi, Mabou, c'était avec Wautokoufanani, Mugabe. Lorenzo, président Kala Yangola, tu es Wazara Kalati. Lorenzo Wazara, qui je crois, le ministre de la Défense. Deux Santos. Edouard Deux Santos. Il y a eu un appel pour venir secourir Nani Mouzé. Mais quand le président Tshisekedi l'a dit ouvertement, il fallait soutenir seulement ipso facto. C'est pour nous appeler ça dès qu'on a Baza contre. Et l'homme Baza contre, c'est l'homme Baza contre, c'est caché. Le pays Sadek ne veulent pas entrer ici à armée. Il y a ça, c'est selon ma source dans la Kati. Un jour, je ne vois pas sa source, mais selon beaucoup de chancelleries ici, beaucoup des ambassades ici africaines, c'est un peu ça. Parce que ceux qui vont armer dans l'ASC Kotiao, c'est plus quoi? Qui sont membres de la pays ouana? Les Rwanda, les Burundi, la Tanzanie, les Kenya. Je parle de l'Éthiopie. Alors, dans la guerre comme dans Mikolo entre Rwanda et Burundi, ils ont ma casse. Guerre à 6 jours, c'était des attaques entre l'armée rwandaise et tu vois, ougandaise, burundaise, tout pour Rwanda. Parce que Banga Siko s'est répété. Parce que Rwanda, l'axe Rwanda, Burundi, Ouganda, c'est des pays qui sont en concurrence sur le plan militaire, sur le plan économique, et ils ont les troupes armées ici chez nous. Je vous donne un groupe de troupes armées, les Red Tabara. Les Red Tabara est un groupe militaire, je pense burundais, qui a même renversé le pouvoir de Kurundinza en 2015. Mais soutenu par les Rwandais, les Red Tabara. Okay. Mais tant que Suko Baratara coup d'état contre Kurundinza en 2015, ils ont été repoussés par l'armée burundaise. C'est replié la colline d'Abus sur la Sud Kivoire. Mais ils reçoivent un grand et un fort soutien de l'armée rwandaise. Alors maintenant, le pays membre à Sadek, moi, beaucoup des ambassades ici en Afrique me l'ont dit. L'ambassade ici, beaucoup me l'ont dit ici, c'est ça, mais là, ma grande crainte. Si cette armée, il y a ASC, Yéawa, qui sont membres de pays, on a mis sur le Congo, Burundi, Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, je pense l'Éthiopie, je pense la Soudan, le Mouabo. Je pense, mais le pays significatif, c'est le pays. Alors, on parle à Siko. Si ces armées-là se retrouvaient sur le sol congolais, bah, déjà, dans la cage jurisprudentielle, il y a guerre il y a 6 jours à Kisangani. C'était entre bagarre entre les différents groupes armés dans Mbokanabiso et ça a entraîné des morts, parmi lesquels des Congolais. Mais il y avait des groupes armés étrangers. Qui s'est battu chez nous. Que tu as en tête, il y a Sadek. Tu as gagné le côté? Maman, on va gagner quoi? Le Maraba Sadek, quoi? Que nous allons gagner? Le président de l'Union africaine, on a gagné quoi dedans? Le pays où on a Sadek, c'est des pays qui se battent, qui sont en concurrence perpétuelle sur le plan militaire et sur le plan économique.
Mais comment est-ce que ça dit que les gens vont entrer dans la force régionale de l'ASR? Ils ne veulent pas parce qu'ils sont tous en concurrence économique et militaire. Nous, les Comores, nous sommes en concurrence militaire et économique avec quel pays? MR. Nous sommes en concurrence économique, soit militaire, avec quel pays? Il y a sous-région. Ça signifie quoi? Les rôles que Bissau Congo, il fallait toujours jouer. Comme pays significatif, il y a l'Afrique centrale. On ne joue pas ces rôles. Ces rôles-là, c'est les Rwanda et l'Angola qui jouent ça. Parce que c'est des grands alliés des Américains. À l'époque, il y avait sous Mobutu. Sous Mobutu. Mais on ne joue pas parce que Mobutu a passé des chefs d'État africains. Il avait une armée forte qui était capable de rivaliser dans ma armée musulmane. Nous, on ne joue pas parce que nous sommes faibles. Quand le président Tshisekedi sera au pouvoir, quand on a une interview à Blinken, à Christian Lusakweno, quand le président Tshisekedi sera au pouvoir, on l'avait dit qu'il fallait apporter réformement au niveau de l'armée et sur le plan sécuritaire. Tous les problèmes qu'on vivra sur le plan de l'armée, sur le plan de la sécurité, parce qu'on n'a pas su réformer notre armée. Mais papa Yves, que mon conseil boy, bah mixage, n'a pas brassage. Papa, il y a un gros balobi, il tombe en zone. Non, écoutez. On ne peut pas, si on refuse cette infiltration, parce que l'armée est infiltrée. On ne fait pas face à cette infiltration. Comment tu opposes la réforme? Par le problème de l'armée congolaise, c'est l'infiltration. On a l'infiltration, c'est quel budget alloué à l'armée. On a le budget alloué à l'armée. Mon méthode de vie, il y a ma militaire Nabisso. Ça va des réformes qu'on doit apporter. Aussi longtemps que tu as apporté par retour, ça va réforme, moi, là-té. Sur les renseignements militaires, sur l'armée, on va toujours rester faible. Il faut faire ces réformes-là. Et c'est ça que les présidents doivent comprendre. C'est ça que Blinken a dit. Oui, il faut. Mais ça va réforme, moi, non. Et tu vois, surtout, sur notre faiblesse, c'est quoi? Kinshasa dit ici, il faut tout parler sur le départ de la MONUSCO. Il fallait un programme, un chronogramme, il fallait MONUSCO qu'il y ait. Mais Blinken nous arrive ici, il dit, avec Christian Lusako, nous dit quoi? Nous sommes le premier pays pourvoyeur de fonds, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous reconnaissons qu'il y a des petites failles, mais pour nous, il faut que la MONUSCO reste. Sur le plan de diplomatie, on a perdu une somme faible. C'est là où je dis, on va parler du Rwanda. On nous parle de Rwanda, 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 Rwanda. Mais nous, qu'est-ce que nous imposons comme rapport de force par rapport au Rwanda? Deuxième rapport est bimia. Le premier rapport, c'était le rapport mapping. Un tribunal spécial là-dessus. Tu sais qu'en Centrafrique, il y a un tribunal spécial qui a été mis en 2015 sous Catherine Panza. Catherine Sambo. Oui. Mais nous ici. Oui. Mais nous ici, il faut qu'on va Kinshasa comme Makaka aux Nations Unies. On active ça. Mais Kinshasa refuse d'écrire pourquoi? Parce qu'il y a des implications internes tout comme externes. Donc, Bazana, pouvoir. Ceux qui vont s'allier, ils ont besoin de on gère ça. Il y a des implications, il y a des gens. Au Bazana, même dans le j'ai posé la République, ils sont dans le rapport mapping. Bazali. Mais ceux qui ont toujours Batouana, ils ne veulent pas. C'est aussi une machine de notre part. Mais nous, il y a un premier rapport mapping. Il y a un deuxième rapport qui sont les experts de la Nations Unies que non, réellement, les questions sont rapides. Mais ils sont au lieu de toutes les mesures fortes contre le Rwanda. C'est ça pour notre faiblesse. C'est fort, comme l'ambassadeur, par exemple. Tu es l'ambassadeur, tu expliques. Mais tu es passé de son faible. Tu es faible, tu expliques ça à Kenda Yemoko. J'apprends à Kenda Yemoko. Il n'y a pas de nom, tu expliques ça. Mais on a réussi à expulser les porte-parole de la MONUSCO. Mais quand il fallait expulser maintenant. Vincent Karega, on n'a pas su. Qui répondait à contre-courant et à son gré au régime de Kinshasa et à certaines autorités ici. On n'a pas su expulser Karega à Kendaga et Moko. J'ai vu, on m'a dit ici, Rwanda et Sarah Sousou dans la navette. Mais nos frontières, on peut fermer nos frontières avec le Rwanda. On peut utiliser ces rapports Rwanda à Rwanda. C'est un rapport qui a une crédibilité à l'international. Bissou a combien de utiliser un mot pour imposer un rapport de force face au Rwanda.
Je veux le président de la République de crier, il est une incursion rebelle, barbare et tout. Mm. Oh, nous là, et puis si nous sommes avantage, nous sommes comme nous, c'est déjà deux rapports. Mais même les lobes, armes, elles ont utilisé ça, ma casse, ils ont été militaires, ils ont été en tout cas, armes, c'est ça que je dis, c'est le Rwanda. On ne peut pas toujours se mettre à pleurer. On peut utiliser, on a dit, premier rapport, oui. Deuxième rapport, ça montre que c'est le Rwanda. Mais ils ont été faits comme état pays souverain. On ne peut toujours pas pleurnicher. On peut prendre ce deux rapports là comme état pays souverain. On perd notre souveraineté. Quand on parle les Rwanda, les Rwanda, les Rwanda, on dit que c'est le Rwanda. Mais Bisso, d'abord, qu'est-ce qu'on fait comme état souverain pour poser cette souveraineté? On dit que le bâtiment sous Bino, vous avez pas peur de Tandako. Excusez-moi pour le terme. On dit que vous engrossez moi si Naroté. On dit que le bâtiment sous Tchabo si nos amis. Et ça, le Marawapi. Mais lui, on va les voisins. On dit que vous causez mis ça a été. Vous avez engrossé été. Mais le pas voisin, voisin, il y a osé mis à moi si Nangaï. Tu es qui? C'est sa dossier. Alors, par exemple, il y a un rapport, on dit par exemple, comme il y a le premier rapport, le rapport Mapping, deuxième rapport, ça dit noir sur blanc que c'est le Rwanda, on prend des mesures draconiennes comme état souverain, nous fermons nos frontières. Merci papa. Toi qui es sur le dossier à Maman Marie. Papa. Balobi, Maman Marie, wana, nani assi, manaï. Oh. Maman Marie a commis le star à poser sa conférence de presse. Batoukout Balobi, karaté libaya député pour remplacer Mboso dans le bureau d'âge. Sikoyo. Ali manipulé ton dengeni. Mon conti kout en boka loba ki ba ko manipulé maman gani. Manipula ka ye. Pas le baran gina ko finga ka bato. Maman Marie joue mon koua loba na esside. Na zalaka. Na pese ba conseil belé belé. Mais j'ai compris que c'était une combattante. Oui, tu as à l'objet de Naï, je suis idée. Je vois ça à la conférence de presse, président Martin Fadayaki, parce que je devais couvrir ce reportage-là. À bien, moi, Naï, je suis en train de me faire depuis qu'elle a depuis une dépêche. Oh, Azara, tu as une dépêche? Elle est dans une dépêche. Ce qui t'a dit, il y a une dépêche, Niamou, Niamou, elle a décidé. À bien, je suis depuis qu'elle a. Maman a âge joana vraiment. Bako instrumentalisé. Qui va l'instrumentaliser dans ici? C'est parce que c'est âge n'est pas tout le monde. Âge joana n'est pas le bi penzande à zalo souso. A comme le roi mon apopi. Alors, mais lui, yon sauve le maman, yon sauve le maman Marie. Elle te parle politique, elle te parle Congo. La âge à zan en roi. Maman a manipulé maman Marie. Les gens parlent de Fayoul. Babi, c'est tout yé penzande. Yé n'est pas assez. Fayoul, au nom de quoi a manipulé? Je sais quand tu veux Martin. Martin n'aime pas la manipulation. Martin aime Moutou à la vraie de lui-même. Martin comme ça. Donc Martin est son temps, il y a Faden, il y a Mamawana, après c'est Manito de Vos Kitoko. Elle est militante et a décidé. L'ECID chaque mardi, il organise un séminaire, une conférence sur l'évolution Mbouka, l'évolution politique, sociale et sécuritaire. Et coïncidence avec Maman Marijuana. Arrestation Maman Marijuana. Madame, tu crois encourageant? Il n'est pas finga qui dit mal au papa, le baki qui m'a la motte. La procédure. Attends, tu as finga qui? La âge à maman, wana. Beaucoup de bengas été, vous savez, PCS pédagogique. La police, vous savez, vous avez tout le temps. C'est aussi une séance pédagogique. Ma kangio, ma lobelio, monsieur Yves Bouya, le koyo, c'est des faits bénins. Mais prochainement, il ne le refait pas. Mais pour ta âge à maman, wana. Beaucoup de bengas. Vous avez mis 3 500 $ à moi, là, vous êtes architecte. Vous avez touché 200 francs. Vous avez mis bien, vous avez mis bien. 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 Vous avez mis bien, maman, avez mis bien. Vous avez mis bien, vous avez mis bien. Vous avez régime. Il y a régime. Tout le monde. Première dame, elle a encore été très mal conseillée, la première dame. Il ne fallait pas la première dame, le conseil première dame m'a conseillé qui m'a bé. Il fallait la première dame agir Makambo de manière discrète. Faire venir cette dame-là chez elle et bimi le cola comme si on dirait, je ne confirme pas, que c'était la commanditaire. C'était la commanditaire. Ce qui prenait dans le Makambo là. Elle a un poste non officiel. Elle peut dire, peut-être elle joue dans le pouvoir de Balinaï.
qui est le premier garant des bons fonctionnements des institutions, les premiers militaires, les premiers magistrats suprêmes, les premiers commandants. Bonjour, maman, 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 dans la première dame. Pour faire filtrer la conversation de maman, pour filmer Yahoo. Est-ce que vous avez bon? On pouvait nous éviter tout cela. Maman a fini première dame. Première dame, oui. Elle avait aussi de manière discrète appelé peut-être le général, comment ça l'appelle, Kasongo. Il a la maman a géré Yahoo calmement. Comme le fait de médiatiser ça. Et puis si on peut plusieurs interprétations. Est-ce que la première dame a un poste officiel? C'est une institution. Peut-être qu'elle a été insultée. Qu'il a arrêté la police. Est-ce qu'il fallait caca? Tu vois un peu ma coupe. Analyse comment il est belle. C'est là où je dis, les conseils à la première dame. Vous êtes dans la première dame dans ma conseil. Beaucoup de gens ont été à maman pour l'autre qui m'a dit qu'il y a. La première dame, elle est journaliste, elle travaille dans journaliste, femme, tout comme homme. Elle pouvait avoir un PCP conseil. Après, on est nippé par collaborateur des journalistes, parce que je connais les journalistes qui travaillent avec la première dame, Denise Diakéo. Parce que moi, je suis à deux reprises, ma Konga Mwanda. On a discuté. Je connais bateau de Marabou, ma Konga Mwanda. J'ai des amis, des confrères, des consoeurs à travers la mairie. Est-ce que ma conseil est première dame? Maman, et nous, quand tu as été, tu as comment on récupérer un mot. Parce que tu comment la bitouma opinion, maman, pour l'être qui moute. Bitouma, surtout, et comment bitouma opinion. Comme l'a dit, une bagarre ne se gagne pas devant les cours de tribunal de l'opinion. Le président sénégalais, Ablaye Ouad. Bitouma opinion, comment ma casse. C'est tout États-Unis opinion. Opinion, il faut pas avoir opinion. Les conseils, la première dame, conseil, ils ont très mal conseillé la première dame. Pour moi, à mon avis, la première dame devait gérer cette affaire discrètement. Ma kinyanou surtout. Ma kinyanou ne m'a même pas. Ma filmé même pas. Bon, ça allait éviter à la première dame d'analyser le salaire. C'est quoi? Alors, bonjour, maman. Vous ne m'aimez pas première dame. La première dame, c'est ma femme, ça. Elle n'est jamais tout le temps de mieux faire. Non. Ayambi, attendez, c'est Bible et tout qu'on sort. Mais là, les gens ont commencé à interpréter à leur façon, à leur manière. Est-ce que ça arrange la première dame? Non. Et Billy Sikoyo, comme si c'était, ou peut-être, j'ai compris ma journaliste, c'était qui était le commanditaire. C'était un très mauvais conseil. Peut-être qu'on a collaborateur, la première dame a pessier. Peut-être certains journalistes, parce qu'elle a des journalistes, femmes et hommes à travers la vie, ils ont très mal conseillé la première dame. Donc, si ça m'a dit, je vais dire que je vais dire ma finger, je vais dire critique. Je vais dire que je vais dire ma critique. Critique, oui, mais ma finga te. Maman, si vous avez un peu de comprendre ce que vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que limite. Je veux dire à la première dame, Denise Nyakiru, a changé ma collaborateur. Nous sommes en mode à maman, Marie, on a aidé. Ça a desservi la première dame. Je pense que ça a desservi ma première dame. Surtout le son. Ça desservit la première dame. Elle doit se remettre en cause à la professionnelle. Elle travaille la première dame, elle va conseiller mon PC. Parce qu'elle est vraiment professionnelle. Il y aura toujours des problèmes, elle ira des bouts dans la bien-être. Analyse, Makambo. Makambo, je pense que Charlie Boulou qui nous a conseillé, la finité. La PC, la PC, vraiment. Oh, il faut que je fasse bruit. Ma parole est au Canada. Faut bruit. Je dis que je vais faire bruit. Faut bruit. Ma parole est au Canada. Faut bruit. Est-ce qu'on a fini d'analyser? Ma cambo me conduit à mon galobi. Ma finga. Tu peux tolérer ma finga. Ma finga, ça m'a bien. Ça, je donne raison au président de la République. Tu critiques. Je donne raison au président de la République. Il faut que tu critiques la gestion. Mais là où je suis contre le président de la République, c'est pourquoi est-ce qu'il part toujours à l'étranger. Il peut faire dire ça ici. Pourquoi on l'a jamais là? Mais deux, est-ce que le président de la République était dans l'obligation de répondre à Maman Marie? Est-ce qu'elle répond à qui? Mais quand il peut moi, Maman Wana, le président de la République a fait allusion à Maman Marie.
Mais oui, tu as kataki kataki. Est-ce que j'ai capable? Non, le but est toujours. Non, est-ce que le but est toujours? Papa, journaliste. Papa, Kabou, le but est interprétable. Kabou avait sauvé les meubles. Kabou avait sauvé les meubles. Les trois jours, est-ce que le président de la République était vraiment obligé à ma maman Marie? Tu peux pas répondre, mais t'as dit maman Marie. C'est comme je me réveille maintenant, je me fais la Fallou sénégalais, Abouen sénégalais. Diang, Keita Diang. Keita Diang. Fallou, Keita Diang. Moi, Fallou, je me réveille maintenant. Oh, moi, je me réveille Keita Diang. Je me réveille Zamundele, Ndoum. Tu vas faire Katoum Diang, Ndoum. Non. Le président de la République, la fonction président de la République est d'une prestige où il y a. Bako Sarana Mote. Le président de la République devait à la limite zapper cette affaire à Maman Marie. Mais quand le président de la République revient sur ça, c'est là où j'ai dit, qui conseille le président de la République? Qui conseille la première dame? C'est très important comme collaborateur. Et voilà, le président de la République arrive à Maman Marie. Le président de la République arrive à Maman Marie. Le président de la République arrive. Non! Moi, à Djamena, j'attendais devant la diaspora par Kondé Olabiso, le président de la République élevait le niveau à discours naï. Sur l'avancement, il y a Mboka, Marmé Bélé, Bélé, où il voulait captiser Batou. Moi, maman, beaucoup zoyé, t'as la succombe à réseaux sociaux et récupérer Wakamba. Le président de la République, lobby, il répond à ses opposants. C'est très normal. Opposition, il a pété. Il y a ma finga. Mais tu vois que ma zone, si le président de la République, les mêmes vidéos n'aillaient du temps de Kabila. Au moins, je suis gros. On peut dire ça, ma fille n'a été. Bon, ça a produit pour autrement. Bon, ça, ma fille n'a été. Les vidéos, le président de la République, alors opposa UDPS. Ma zone, les mêmes vidéos, on a ma zone, il s'est lié en haut. Tu vois ce que ça fait? Ce que ça fait. Certains disent que le président de la République ne peut pas s'ériger en donneur de leçons. Parce que hier, quand l'UDPS disait de Kabila à Rwanda, à Piyambouk, l'UDPS en avait des preuves. Parce que à quand le président de la République dit, j'ai fait une des vidéos. À combien on conduit? À mon sucre que réalité. Réalité sucre. Autre chose. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit autre. Maintenant. Quand tu dis que 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 mais ce qu'on quand on fait un retour à l'authenticité, oui, retour à l'authenticité, tu as ma image, ma film, bien ami, quand tu vas trouver ma ère à mes réseaux sociaux, hein, donc tu vas bombarder, bah on balance en gros. J'ai vu des vidéos du président de la République à travers Kabila, Kabila a papier. C'est des vidéos qui sont là. J'ai vu des vidéos de l'UDPS Kabila, Piyamboka, Kabila Mouibi, Aboma Chembea, Asala Boueboué. L'UDPS en a fait des preuves. Quand le président dit que le film a raté, que le raté, souvent les mêmes vidéos sont rentrées. Opposition, il y a pété. L'acteur d'opposition, elle est structurée et organisée. Ce n'est pas une opposition qui casse des. Qui casse. Comme votre parti qui était de l'opposition, qui cassait, qui vandalisait, qui tuait, qui insultait. L'opposition aujourd'hui n'insulte pas. Maintenant, on va pour opposant les lots. Il y a un peu de temps pour finir, c'est ça? Eh bien, ma fille a raté. Ma boule a raté. Elle est structurée, organisée, elle est intelligente. C'est une opposition qui va dans le cadre républicain constitutionnel. Il y aura déjà fallu l'insulter. Fallu l'insulte pas. Tu as déjà vu ma tête insulter. Ma tête n'insulte pas. Tu as déjà vu famille. Bon, qu'est-ce que tu as vu? Bon, cassé. Bon, cassé. Bon, cassé. Bon, cassé. Bon, cassé. Bon, cassé. Tu as déjà vu famille dire ça. L'opposition a changé quand un parti a quitté l'opposition. L'opposition est comme une structure. C'est quand un parti a quitté l'opposition. Il est dans l'opposition. Quand ce parti-là a quitté l'opposition, l'opposition est comme une structure. Il y a déjà fallu ouvrir. Bon, cassé. Bon, cassé. Bon, cassé. Aura déjà peut-être à les faire. Aura déjà Katumbi les faire. Aura déjà Kabila les faire. Papa Force. Aura déjà Fayoul et Mouzi tout les faire.
ma force changementiste, c'est ces forces-là. Merci Yves, en tout cas, Donc quand un parti a quitté l'opposition, l'opposition est remis structurée, intelligente. Merci papa Yves Bouya. L'opposition au travail de fonctionner. Merci papa. Mais pourquoi tu t'en bondes? Et coquille. Attends, 5 minutes, voilà la personne, 5 minutes. Alors, bon, c'est l'opposition structurée organisée qui n'est pas comme l'opposition d'hier. Okay. Par partir de l'opposition, l'opposition avance bien. La cadre, nous, ça va marcher longtemps. Est-ce que ça va marcher l'opposition va bouger? Faut que ça va marcher Belawa, Katumbi. Au moins, si il marche pas. Parce que dans c'est bien comme ça, vous avez senti la différence entre Kabila et Fati. Non. Quand un parti était dans l'opposition, il y avait des morts et des casses. Quand un parti était dans l'opposition, il y avait des casses et des sous-soutés. Et puis, quel est ce parti qui fait l'opposition pendant 30 ans pour pouvoir négocier le pouvoir? C'est quel parti? C'est la preuve. Il y a une bonne preuve. Mais t'as mis parti? On a fait partir. Oh. Ah, mais c'est ma preuve. T'es, moi, quel est ce parti qui a fait qui s'est dit avoir fait l'opposition pendant des années? Et beaucoup me disent, là, accord, FCC cash. T'as posé la République, j'ai mis faire l'accord FCC cash. Et ça qui n'a pas discours à 6 minutes. J'ai mis fin à l'accord FCC cash après ma consultation. Maintenant, il fallait mettre fin à l'accord. Et si vous n'êtes pas là, la personne, j'ai mis fin à l'accord entre les FCC et l'Angaï, FCC et les cash. Merci. On avance. Donc, une opposition qui avance. Mais maintenant que la 2023, je chute. Chute ou anatosis. La force, il y a opposition. Il y a Tshisekedi. Il y va avec déjà acteurs définis. Bemba, Kamere, Bemba pour s'aller sur un chair politique. Bambosu, Babati et tout comme ça. Azassi, on a 100%. Alors, pour s'aller sur un chair politique. Sa force, c'est pas une certitude. Ah. C'est une force, mais pas une certitude. Mm. Il y a déjà des tours, trois déjà blocs autour. Il y a un mariage, il y a moi, Katumbi, il doit sacrer, il mène, mais il doit s'assumer. Sa force, c'est des gens qui ont déjà créé un bloc autour de lui, qui sont déjà définis. Bemba Katumbi, Bemba Kamere, Bemba Toala, Bemba Zoua, Bemba Nabango, Bemba leader mineur, Bemba Mboso, et tout comme ça, Bemba Nabango, Bemba Badi, tout comme ça. Il y a déjà un bloc qu'on porte autour de lui. Sa force, mais qui n'est pas exécuté, qui va gagner les élections, il a les élections à un tour. Il peut organiser les élections, mais ce n'est pas dit qu'il peut les gagner. Tout qu'on peut les gagner, il peut organiser, il peut les perdre. Tout qu'on peut organiser les élections, il peut les gagner. Par syndrome, il y a un tour déjà en Afrique avec en Zambie déjà. Mm-hmm. Na Kenya, tu as vu? Mm-hmm. Ouais. Isali. Faiblesse et opposition. Je suis ça, c'est clair. Mm-hmm. C'est qu'ils ont une multitude de bateaux. Est-ce que vous doit-il faire allégeance à la candidature Nous avons Fayulu, nous avons Mouzito. Nous avons Matata, mm-hmm. nous avons Katumbi, qui est de l'Union sacrée. Mm-hmm. Bah, force, vous pouvez peut-être Kabou, ça nous boloko. Tu vois? Est-ce que voudront-ils faire allégeance au d'une candidature? Kabila aussi là. Ah oui. On met qu'il y ait une pression extérieure et tu as pas d'accord. Espérons. Maintenant aussi, au-delà de ça, il faut te parler projet de société. Voilà ton offre politique. 2023, Kalamingi. Offre politique. C'est important. Mm-hmm. De tout bord. Ils ont là, du côté pouvoir, ils ont du côté opposition. Sentimenté, oh, papa social. Rien, il faut aussi là. Papa social, après ça, il faut aussi là. Ngaï, ceux qui projettent les institutions, l'UDP, c'est un beau projet, je vais appuyer ça en 2023. Ceux qui ont fallu, c'est un beau projet, je vais appuyer. Il y a Bahati, je vais appuyer. Il y a Mbos, je vais appuyer. Il y a Mouzito, je vais appuyer. Il y a Fon, je vais appuyer. Il y a ma tête, il y a quand je vais appuyer. Mais, pourquoi tu n'as pas appuyé pour le terrain Congo. Merci beaucoup. Parce que là, tu as le terrain Congo. Dans le Congo. Offre politique. Les agences de santé, voilà. Yves, plateau Ezali, Royal Sumba, la télévision est à Tango. Sinon, la chaîne, nous sommes sur le roi de la Nyote. Tango. Respect, président. Mais faut le Nyote sacré. Voilà, décembre, c'est le congrès. Président Moïse Katumbi, il faut quitter l'Union sacrée. Il faut quitter l'Union sacrée. L'État. Merci. Il doit s'assumer l'Union sacrée. Merci beaucoup.